Bonjour, chers fidèles spectateurs. Nous voici une fois de plus devant vos ordinateurs pour vous enseigner comment afficher les icônes sur votre bureau et agrandir votre icône et puis diminuer, donner le format dans votre bureau. Ici, nous utilisons Windows 8. C'est là où nous allons faire notre pratique. On y va. Vous êtes sur le bureau. Nous sommes ici à plusieurs icônes qui se présentent ici devant vous dans une taille qui se correspond à votre forme. Là, on va maintenant commencer à changer notre icône. Nous allons commencer à agrandir notre icône. Vous faites clic droit, vous choisissez le menu fichier et agrandissez votre icône. Voilà, les icônes sont agrandies. Vous pouvez encore faire clic droit et vous donner les moyennes. Ouais, c'est aussi bien. Vous avez aussi les petits. Vous voyez, c'est bien. Les fichiers encore. Vous pouvez aussi réorganiser automatiquement les icônes en appuyant sur clic droit, afficher, réorganisation automatique, pas directement. Ça donne la propriété dans votre bureau. Vous pouvez aussi faire disparaître tous vos icônes qui se trouvent dans votre bureau. Il suffit de faire clic droit sur votre souris et vous avez les options. Vous appuyez ici, afficher les éléments du bureau. Vous les décrochez. Ok, c'est disparu. Là, vous voyez, il n'y a plus rien dans votre bureau. Il y a les barres des outils, ça reste, mais les bureaux, ça ne devient maintenant rien. Ça, ce sont des points CPS, ça se prend automatiquement. Mais ici, dans votre bureau, on voit qu'il y a les fonds. Si vous pouvez encore, si vous voulez encore les afficher de plus, vous faites encore clic droit sur votre souris et puis vous faites afficher les éléments du bureau. Dès que vous appuyez, clic gauche, vous allez voir vos icônes et des retours. Merci. Là, c'était votre serviteur Caleb Cacocito. Nous avons appris comment afficher les icônes dans votre bureau et comment désactiver les icônes dans votre bureau, comment agrandir les icônes dans votre bureau et comment les donner une taille moyenne, comment donner une petite taille. Donc, je vous laisse dans des protections. Restez branchés, abonnez-vous dans notre chaîne. Caleb Tito, Caleb Kako Tito, vous aurez plus d'informations sur notre système d'exploitation Windows 8. Merci.